Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de l'aventure sur Steel Rising. On s'était arrêté ici la fois dernière et on devait se rendre à la cité. Et on devait continuer notre aventure. Alors, les ombres du Luxembourg, et il fallait s'emparer des notes de l'abbé machin, et puis du chouette ici. Donc c'est parti, on va essayer de fouiller peut-être un petit peu les environs. Voilà, ici, doucement. J'ai des petites choses. Tout est dead, toi. Ouais. Alors, c'est la difficulté, elle est le même que... Oula, je suis en train de prendre feu, là. Elle est le même que dans la troisième partie. Hein. C'est-à-dire que... ouais, putain, je l'ai pas vu, l'autre, là-bas. Ah, waouh, 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 waouh. Elle est le même que dans... Pour niveau assistance, hein. Il lance des trucs maintenant. Ah ouais, t'es serré quoi. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Ok. J'ai pas mis le mode assistance trop facile non plus. Voilà. Mais j'ai mis pour que ça soit un petit peu accessible aussi, hein, parce que bon, j'ai pas envie de galérer non plus. Ok. Très bien. Ok, bon. On y va. Ok. Oh. Voilà, c'est un gros là. Ah, je l'ai vu l'autre en haut. Oula, 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 je suis en train de crever. Attends, attends. Oula. Attends, on enlève le... Et où, mais ils sont où mes trucs, là? Burette. Non. Oui, ça. Voilà. On en prend un autre. Je t'ai vu là-haut. Attends, je prends juste ça. Parfois, il y a des petites choses à l'intérieur. Oh, viens là, viens là. Voilà. Très bien. Tac tac. Ok. Un petit coffre. Levier de rechange. Recharge. Bon, rechange, pardon. La boussole me dit d'aller où? Là-bas. Ah, oh, ça c'est un boss, ça c'est sûr. Le truc qui prend là, c'est sûr que c'est un boss. Voilà lui. Ok. Toi, je t'ai vu. Attends, comment on peut monter là-haut, là? Par là? Non, même pas. What the... Ah, par là. Ok. J'ai en haut. Hop. Très bien. Je casse tout ça, on sait jamais.
Alors, je vais prendre chacun de main. Ok. Ok. Restituer les notes à l'abri Grégoire. Ok. Ok, il faut descendre. Ah merde, j'ai oublié de sauter. Attendez, je vais juste voir si je peux grimper en haut là. Parce qu'il y a un truc en haut. Je vais repartir par là. Désolé, hein, je prends mon temps. Hein. Alors, j'étais par là. Et remonte. Ok. J'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Sur la plateforme. Voilà, c'est bon. Ok. Ah ouais, la chute, elle est fatale quand même là. Allez, réparer. Ok. Petite sauvegarde ici, parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Toc toc toc, j'ai 6000 et quelques. Allez, agilité. J'ai qu'une clé, je peux rien faire pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Fiole d'huile d'endurance. Machin, tac tac tac, fiole d'ordinaire, je peux en prendre. Bon, je vais en prendre, allez, 5. Ça suffira. Tac tac tac, elle est où la... Ouais, toutes les autres armes, c'est sont chères. Hein. Ouais, bon. Ok. C'est juste au-dessus. Petit coffre ici. Okay, c'est des customisations. Putain, il y a plein de zones différentes. Hein. Wow, 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 putain, je l'ai pas vu. T'es un gros malade, toi. Ouais. Je sais qu'il faut que j'aille de l'autre côté, mais... J'ai bien envie de vérifier de l'autre côté ce qu'il y a. Ah, trop court. Tiens, je vais voir le petit copain là-bas. T'as explosé bête, mon frérot. Ok. Il n'y avait rien de spécial ici. Hein. Là, je peux ouvrir par là ou pas? Ouais. Putain, il y a plein de ruelles. Hein. Je sais que je vais dans le mauvais sens, mais bon. Putain, wesh. Je... Ok, wow, wow, wow. Je vais loin de mon objectif, hein, je sais. Oula,
oula, oula. Oh non! D'accord. D'accord. J'ai atterri où là? Ah oui, c'est bon, ok, d'accord. Ouf. Ça, je l'ai même pas vu, c'est comme ça se fait. Bon. Ouais. J'ai juste retourné de ce côté-là. Ah, je peux pas aller par là. Oh putain, toi. Pas prendre le risque de recrever, je vais aller directement vers l'objectif. Toi, je t'ai vu là. J'ai plus rien pour me défendre. Attendez. Comment ça se fait que j'ai rien pour me défendre? J'ai même pas acheté de grenade, y'a rien du tout. C'est quoi ce délire? C'est pas normal. J'ai aucune grenade, y'a rien du tout. Pétrifiante, grenade fumigène, grenade incendiaire, ouais. Allez, go. Voilà. Comme ça, je pourrais au moins faire quelque chose avec ça. Alors, tac. Ok. Ah oui. Bah voilà. Hop. Ok. Dieu soit loué. It is such a blessing to see you safe and sound. This belongs to you. Bless you, whoever you are. You have our eternal gratitude. I believe you've met Monsieur Julien Raymond from distant Saint-Domingue. He's one of the most eminent members of our organization. And you, mademoiselle, what should we call you? My name is Aegis. Ah, yes. The Aegis, the mighty shield and scourge of Zeus. I wonder, earlier, by the Pont Neuf, when you touched Monseigneur's ring, can you explain what happened? The ring called to me. It compelled me to reach out and take it. Come now. The moment I touched it, I was transported somewhere else. It was the same strange world that you were in, Monseigneur. Hell, you mean? Or purgatory. I saw things there. I saw Monseigneur giving a sermon. What wickedness is this? This explains the moment when you froze. And this isn't the only time you've experienced something like this, n'est-ce pas? That is correct. It also happened with two objects I found in Place Dauphine. And what happened there? That is where I found your Bible and your cross, Monseigneur. How did you know they belonged to me? They demanded to be returned to you. You did not regain consciousness until I did so. This is madness! Let us not be so quick to judge, Monseigneur.
I witnessed the moment when your cross was taken from you. Then I saw you being locked in that box. Eh bien voilà. It is just as I suspected. Here, Aegis, look at this. Over the course of my research, I unearthed this ancient document. I believe I have finally uncovered its meaning. It's a triangle with an identical inscription at each corner. Nemi, memory in ancient Greek. Then, in the center, there is an open eye which symbolizes awakening. Do you understand? The images you saw, Aegis, were Monseigneur de la Fare's own memories. Three echoes of the past tied to personal objects of his. Three Nemi's memories which some dark alchemy had taken from him. Without them, his mind would have remained lost, incomplete. He would never have regained consciousness. But by returning these three objects to him, Aegis, you were able to save his immortal soul. Tell me, Aegis, when you were at the Clarence office of the Châtelet, did you perhaps see a leather wallet near the abbot's documents? No, Monseigneur. Ah, that is unfortunate. Most unfortunate. Monseigneur, that other world where you were held prisoner, do you still feel its effects? This other world, as you call it, Aegis, is none other than hell itself, Gehenna. The place the Lord sends those who worship the beast, but hell didn't keep me. Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? What task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer, the magnetizer, and seems to have ingratiated himself with the king. There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication. It is said that he can make the dead speak. Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucanson's workshop, where the Count had been seen coming and going for several weeks. I cannot disclose the details of what he discovered there, but it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning. That other world where you... This other world... Gehenna, but hell didn't... I bid you farewell, Monseigneur. Wait just a moment, s'il vous plaît. You are one of Cagliostro's creatures, are you not? What do you mean? When were you... When did you... awaken? I do not understand, Monseigneur. Well, that is to say, you talk, you think, you seem to act with some sort of free will. This was not always the case, that much is clear. You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself. I'm attempting to unravel the mystery of your true nature. Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer. How strange. In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know. What I know, Monseigneur? How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseigneur. How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it. I believe... Go on, Aegis. I believe that this knowledge is not mine. Well, I never. Did you hear that, Abbot? I caught every word, mon ami. Mon père? Plus tard, s'il vous plaît. I need a moment alone. I must read over my notes in light of what we have just discovered. Monsieur Raymond, what is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the Abbot who founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas,
There's been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the King through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. You are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the King. I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later, when the King convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. Okay. Bon. Le discours de Jules Raymond. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Il juste de regagner son carrosse et se rendre à son palais. D'accord. Bon. Bon, on va aller directement vers... vers le truc, hein, puisqu'on a parlé directement avec... ma chère collègue. Ah, vous êtes là, vous m'attendez, là. Ok. Boum. Boum. Voilà. Bon, on va pas aller là-bas parce que bon. Allez, go. Voyager, on a dit, vers le Luxembourg. Allez, go. Yep. Monsieur Lavoisier hopes to have Eugène de Vaucanson released from prison. I must find him and help him convince the Comte de Provence. Mm-hmm. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tac. Journal, écho. Bon, là, on a des trois échos. Là, il en manque deux. Là. Il y a beaucoup de choses hein, qu'on a récupérées. L'univers. Ah oui, ça c'est différent, ouais. Ça, c'est tout ce qu'il y a comme histoire, évidemment. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai qu'une, ouais. Équipement. Qu'est-ce que je pourrais. Est-ce que je pourrais utiliser autre chose? Oh! Hmm.
Tac. Essaye de voir un truc qui pourrait être intéressant. Ah, ça, ça peut être intéressant. On va mettre ça en lourd. Et on verra de quoi ça a l'air après. Boussole. Se rendre chez le docteur. Ah bah d'accord. De toute façon, à mon avis, je pourrais pas atterrir chez le docteur tout de suite. Il faudrait que je fasse un gros détour. On va essayer d'aller là-bas, à droite. Non, un spécial, ok. Bon. Oh alors, c'est quoi ces nouvelles bestioles là? Wow. C'est quoi ces trucs? Ah ah ah, on dirait des araignées bizarres. Ah oh, bah d'accord, bon. Eh, vous rigolez pas vous. Ok, lui c'est bête. Dead. Je suis en train de crever, mais c'est pas grave. Je vais même pas regarder ma santé, moi. Je tire, je tire, je tire. Je vais même pas regarder que j'étais en train de la perdre. Bon, allez, on y va par là. Oh oh. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Eh oh 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 oh. Ok, là y'a rien. Bah, c'était par là en plus. Oh merde, y'en a encore plein. J'ai envie juste de voir si j'ai pas loupé un truc par là-bas. Non, c'est bon. Oh merde. The automat that wrought so much death on this place. Salut les gars. Was driven by an unusual force. Ouf ouf. Pas ça. Ok, 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 ok. Oh ouais, ils sont sérieux. Putain. Mange. Mange. Oh c'est bon, je l'ai eu. Ok. J'ai utilisé la grosse arme. Ah ouais, oh, pas mal. J'ai utilisé la grosse arme après. Oh merde. Ça rentre chez le docteur, on est là. Ouais. Ouais, c'est juste ici. Mais moi, comme un débile, fou que je suis, je l'ai direct dans mon volta. Attends. Tu es sérieux toi? Attends, regarde. Boum. 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 Oh. Oh. Ah, ouais, t'es sérieux toi? Mange. Mange. Et mange. Voilà. Alors, quand même, pas mal la grosse massue, hein. Pas mal la grosse massue. Bon, c'était juste pour venir essayer pour battre le boss. Hein. Ah merde. Oh, le mec à la trompette là. T'es sérieux toi?
Elle est bien la massue, mais finalement... elle fait des dégâts, mais elle est un peu lente. Elle est un peu lente, ça m'arrange pas. Alors... Il y a rien. Il faut que j'aille là-bas, il faut que je fasse tout le tour pour aller voir le docteur. Hop là. Salut toi. À chaque fois, au ralenti, je sais qu'il faut que j'esquive. Mais j'arrive pas à esquiver bien. Oh non, pas toi. Oh non, encore lui. Ah, je te lâche pas. Badaboum. Voilà. J'aime bien cette arme, franchement j'aime bien. Ok. Jusque là ça passe. Tac tac, tac tac. Bon. Putain, il y a plein de choses à faire. Ah. Voyons ce qu'on peut faire ici. Truc 100 et quelques machin là, je peux pas faire grand chose. Alors est-ce qu'on peut aller par là? Un outil pour le détruire, d'accord. Bon, je peux pas avancer de ce côté là du coup. J'ai envie d'aller de l'autre côté vers le médecin là-bas. Je peux pas. Et j'ai fait tout le tour. Y a rien par là. Ok. Si je peux faire ça, on sait jamais si on peut mettre des trucs dedans. Voilà. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tout est en ruine là. Qu'est-ce que tu fous là toi? Oh merde. Boum. Boum. Hop là.
Ok. Très bien. Oh, encore lui. Je déteste ces araignées. C'est bon. Aïe. T'as pas bien visé. Voilà. Ramasse. Ok. Ça a l'air bien le truc, hein. Ok, je vais aller par là voir ce qu'il y a. Aouh! Où t'es dans le noir, je te vois même pas, toi. Foiré. Bon, y'a rien en fait. Y'a rien de ce côté-là. Il n'y avait pas un truc là-bas au fond. Oh, si. Attendez. Il y avait bien un truc par là, là. Hop. Boum. C'était où? C'était là. Bon, à mon avis, c'est pas grand-chose, mais bon. Au moins, c'est un petit truc. Hop. Monte, monte. Voilà. Mais c'est un labyrinthe le truc, on sait même pas où on va. Oh putain, lui. Pop, 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 pop. Que ce serait pas par là. Non, c'est bloqué. C'est par où? C'est par en haut. Ouais. Ok. C'est là-bas. Oups là. Oh merde. Ah, je peux monter par là, ça va alors. Non? Je suis bloqué. Oh, quoique peut-être il faut aller de l'autre côté comme ça. Putain, je l'ai même pas vu lui. Oh wow 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 wow. Putain, quand c'est arrivé. Sérieux? Ouais. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oui, 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 oui. Allez, dégage. Mais t'es pas bien, toi! Ok. Ok. Oh, j'ai même pas vu qu'il y avait un coffre. Ok, fleur à main gauche, tracker. C'est bien ça, c'est pour la customisation, c'est pas mal. Ah, je fouille tout, hein, je m'en fous. Hein.
Allume-moi. Alors, comment monter là-haut maintenant? Par là. Ok. Faut encore monter, décidément. Je sais pas où je vais, hein. Je monte, mais je sais pas où je vais. Je peux monter par là? Ouais. Voilà. Non. Hop. Et hop là. Oh putain, c'est un bordel, je sais même pas où je vais, moi. Par là, est-ce que je peux ouvrir par là? Ouais, normalement oui, parce que c'était coincé de l'autre côté. Ok, petit raccourci. Vérifie qu'il n'y a rien. Je sais pas, je ramasse plein de choses depuis le début, mais je sais pas à quoi me servent. Pirate le truc. Il faut un pataquès pour retrouver le chemin alors que. Ça se fout pas ça? Ah si. Ok. Alors, est-ce que je peux acheter des petites choses? Besoin de 12, hein, j'en fais 5. Voilà. Fiole de résistance. Voilà. Tac tac tac. Putain, je vais utiliser ça, moi. Je vais essayer d'utiliser ça. La boussole, c'est par là-bas. Ok. Je sens qu'il va avoir de la merde, je sais pas pourquoi, les amis. Ah, les jardins, enfin on y est arrivé. Oula, pourquoi il y a des... Oh non, je le sens pas. Ou que je le sens pas. Oh, allez. Ah ouais d'accord, attends. Mange ça. Mange. Hop là. Ça c'est bon. Ok. Putain, il y a de la brume, c'est bizarre, j'aime pas quand il y a de la brume comme ça. Oh non. Oh, je sens un boss au bout. T'es pas visé, toi. Ok. Hop là. Je le sens pas du tout. Je sens que je vais crever. Ça m'inspire pas confiance. Il faudra bien que j'y aille. Oh merde. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit que ça va être la merde? Wow. Allez, crève. Bye bye.
cul. Sort de sauvegarder, je me mets ici. Sans pour autant acheter quelque chose. Faire des améliorations. Tiens, celui-ci d'ailleurs, on va le mettre en... Attendez, j'ai quoi en deuxième... Non, non, pas ça. Ça, on va le changer. On va mettre celui que j'avais là. C'est quoi que j'ai amélioré à l'instant là? Je sais même plus. Il semble que c'est ça. Hein. Ouais, je suis pas sûr, mais bon. Ah tiens, en passant, dans... on va voir ce qu'on a récupéré là des. Oh, j'aime bien ça. Là, je possède ça. J'aime bien ce truc, mais bon, ça fait pas grand chose. Hein. Ok, niveau costume, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai des beaux costumes, mais c'est pas tellement intéressant non plus. Hein. Ouais. Et en bas? Ouais, bof. Pas grand chose. Alors, tac tac tac, boussole. Ok. Je suis déjà allé au jardin du Luxembourg à Paris, mais. Parce que je suis parisien d'ailleurs. Mais. Je pensais pas que c'était un aussi gros labyrinthe. C'est comme ça devenu intéressant là. Ok. Ok. Monseigneur, Monseigneur, where are you? Seize him. Cagliostro, may you burn in hell! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lock him up! Monsieur Lavoisier has fallen into a trap. His captors probably took him to the Palais du Luxembourg. Hey, you know, sir? Juste voir ce qu'il y a par là-bas. Oh, rien de spécial, je pense que c'est là d'où je viens. Ouais, c'est là d'où je viens, j'ai juste fait tout le tour. Ouais, j'ai fait juste tout le tour. On va aller à notre rythme pour ce game, les amis, on va pas trop... courir dans tous les sens hein. Et aller vite vite vite, on prend notre calme.
De toute façon, il reste presque ça à faire comme le game sur la chaîne pour l'instant, pour ce mois-ci. Là. Donc on va essayer d'aller doucement. On essaiera peut-être de rajouter un autre game entre temps. On va voir. Mange. Mange. Il fait rien. Ah bah il fallait faire tout le tour. Maintenant on peut voir le docteur, etc. dans ce coin là. Ah ouais, attends, il y en a plein déjà ici de ce côté là. Ouais, faudra aller par là, il n'y a pas le choix. Ok. Toi je t'ai vu là, toi je t'ai vu. J'aurais jamais dû faire ça. Raté. Ah, raté. Allez. Ok. Ouais, pour l'instant, je peux pas vraiment aller. J'utilise les petits ordinaires pour l'instant parce que bon, je préfère garder ma fiole d'huile complète. Au cas où j'ai vraiment besoin, quoi. Ouais, un autre là. Ouais, attends, il faut que j'aille par là-bas. Ok, c'est full, j'ai même pas vu. Waouh, waouh, waouh. Toi, dégage. T'es sérieux toi? Ouais, attends. Mange. Mange. Allez, casse-toi. C'est le bestiole. Ok, là y'a rien. Okay. Très bien. Oh, j'ai même pas vu lui. Allez. Boum. Ciao. Ok. Putain, vous avez vu le nombre de détours qu'on a fait pour arriver dans ce jardin, quoi. On a mis plus qu'une heure de trajet, quoi. Un truc de fou. C'est un truc de malade. Allez, on continue. Oh non. Aouh. Wow. Et ben dis donc. D'accord, là c'est bon. Oh, je ne veux plus où aller. Il y a trop de chemin. Ouh, je le sens pas cette zone. Qu'est-ce que tu veux là, toi? Ah oui, d'accord. C'est le dos.
Ok, je vérifie qu'il n'y a rien. Oh. Ah. D'accord. Ok. Je le sens pas du tout. J'ai pas assez. On va essayer. Ouais. De toute façon, je peux rien faire. Minimum, c'est 6000, donc ça sert à rien. Bon, on avance encore un petit peu et à la prochaine sauvegarde. On s'arrêtera là. Ok. Putain, c'est le bordel ici. Hein. Y'a rien par là. Y'a rien par là. Ok. Allez, go. On y va. Le médecin doit être juste à côté. C'est juste de ce côté-là. Et si je vais par là, ça va m'amener où? Ouais, ça va m'amener dans un autre chemin. J'avance, hein, j'avance, je sais pas où je vais. Hein. Je sais que c'est pas le bon chemin, mais bon. Tout. Je suis dans le rouge, je suis dans le rouge. Comment ça se fait que je suis dans le rouge? Allez, c'est bon. Ok, bon. Au moins, je suis venu ici. Je sais ce qui se passe. Je sais que c'était pas par là, mais bon. Y'a rien. Hop. Hop là. Oh non! Et merde. Oh, là, me dites pas que je dois faire un autre détour. Mais non, ne me dis pas que je dois faire un autre détour là. Attends. Comment je peux remonter par là? Ah, par là. Monte. Monte. Voilà. Un truc là. Ok. Merci pour ça. Hop là. Voilà, parfait. Ouf. Bon. Puisque la race spéciale. Ok. Et là, à mon avis, c'est un boss. Eh oui! Et merde! Si j'avais su,
Je serais allé plutôt. La chimie du Luxembourg. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai plus de grenades, rien. J'ai plus de grenades, rien du tout. J'ai que de la santé. Attendez, y a pas des trucs à côté là? Oui, y a un coffre. Mais tant que... Ah non, c'est pas... J'ai essayé de casser ça. Non, rien. Bon. T'as pas visé, toi. Ouf, 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 ouf. Wow. Aïe, aïe, aïe. Ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce que tu fais, là? Voilà, attends. Aïe. Oh non, c'est une blague. Oh non, j'en ai deux, putain. Et merde. C'est encore le même délire que l'autre fois, c'est pas possible. Attendez. Attendez. Est-ce que je dois pas aller directement voir le médecin là-bas au fond? Monte. Convent is over there, up on the hill. Monsieur Le Monnier's house is on this road, not far from here. I could pay him a visit to learn more about the death of the poor Dauphin. Tony. Juste vérifier un truc. Viens ici, viens ici. J'ai vu la sauvegarde là-bas au fond. Je vais juste vérifier un truc là-bas, si je peux aller directement là-bas ou pas. Apparemment non. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter à là, finalement. On va s'arrêter à là.
que là, à mon avis, j'ai raté encore un truc. J'ai pas les trois échos, je sais pas où les chercher. Il y a une sauvegarde ici. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette partie de Steel Rising. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, bye bye.